Ça y est, on est en automne. On est le 30 août, on est en automne, ça y est. On est le 30 août, on est en automne. Ne jamais garer sa voiture ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle finit comme ça. Voilà, et là c'est juste une journée. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Et à toi, à toi. Et à toi, à toi. Bonjour à toi, 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 toi. Et toi aussi au fond, t'as pas oublié, hein. Bonjour à toi aussi, hein. Comment ça va les amis? Oh là là, ouais ça va. Ouais, j'ai eu un... Même moi j'ai... En fait, bêtement j'attendais une réponse. Ouais, ouais, je sais, voilà. Un peu de sommeil ne te va pas. Ouais, ouais, mais elle est très, très bien cette série. Ouais, moi je kiffe aussi. Hier soir. Alors nous sommes dimanche, hein, comme tu peux le deviner, dimanche c'est brocanche, on est en automne, t'as vu dans le petit début. J'ai été obligé de mettre un pull, il fait 16 degrés. Ah ouais, 16 degrés, ouais, bah oui. Voilà. Là, ça fait déjà deux jours qu'il fait 16 degrés. Comment vous le dire? Le matin, après il fait. Oui, mais quand tu passes de même le matin de 25, voilà, à 16 degrés, 10 degrés de moins, tu le ressens. Voilà. Et je suis équipé en mode recherche Disney. Hein. Regardez, casquette. Le nouveau badge bleu, parce que en fait j'avais pas de bleu, voilà, je l'ai montré la dernière fois, l'aquarelle bleue, le pull Mickey, bon, peut-être qu'à 10h, même pas, hein, il est 8h20 exactement, dormir le matin, ça en option, voilà, et donc je disais quoi, je sais plus, voilà, 8h20, peut-être qu'à 9h je vais l'enlever le pull, peut-être qu'il fera trop chaud, et donc hier on s'est couché énormément tard. Énormément. Il était minuit 10. Il était même plus que minuit 10. Alors, on est parti sur Netflix. Oui, Netflix. Netflix. Et on a mis la série Plan Cœur. Je sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle série Netflix. Voilà, un elle peu. Est super. Et en fait, on s'est enchaîné la saison 1 en une soirée. Et les deux premiers de la saison 2. Et il était genre, ouais, une heure moins de quart, un truc comme ouais, ça. Et on s'est dit, peut-être arrêter. Eh, mais en fait, tu rentres dedans, les épisodes sont pas longs, ils durent une demi-heure, à peu près. Ouais, c'est ça. Mais en fait, t'es dedans. En plus, c'est une série française. Mmh. Oh, puis les acteurs, ils sont marrants. Voilà. Et en fait, tu te prends dedans de ouf. Et en fait, t'as pas envie de lâcher. T'as envie de savoir ce qui va se passer et tu lâches pas. Et donc voilà, donc là je pense que cet après-midi on va s'enchaîner la saison 2. On va chercher des pommes aujourd'hui. Oui, ou pas? Oui, si, ah bah si, moi il faut que je fasse de la compote absolument. Il faut absolument chercher des pommes. Bah, après c'est vite fait, on y va entre midi et 2. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, dimanche, c'est brocanche. Oh. Je l'ai déjà dit au début, je suis en mode brocante. C'est cherchage de pommes. Et après, chercher des pommes. Gruissant, 80 centimes le kilo. À Mandirac, exactement. À Mandirac. Au petit Mandirac ou au grand Mandirac? Au domaine du chemin de je sais plus quoi. Qu'il y a de traverse. Hein. Je me suis cassé le nez. Mais bon, le chemin de traverse. Ça, ouais, mais ouais. Chemin de traverse, je prends juste de la poudre de cheminette et j'ai... Ouh. Oh là là, je pensais pas que t'allais le sortir, hein, aussi bien. J'aurais pas mis 30 minutes dans le vent hier. Bah, même plus. 30 minutes aller, 30 minutes retour. Bah, c'est pas grave. J'étais action. Eh ouais, faut se et t'as pas fait des hauls? Bon, après il y avait rien de fifou, hein, donc voilà. Faire des hauls, faut faire des hauls à action. Ouais, non, je rigole. Il y avait vraiment rien de voilà, de fifou. Donc là, nous avons 3 brocantes de prévu. 3 sur 3, 4 3 sur, après on avise ce qu'on a fait. On fait quoi? Bise Minervois, Saint-Marcel. Saint-Marcel, c'est les deux à côté, et après? Et après, il y a celle de Coursan. Et celle de Canet. Et celle de Canet, ouais, à voir. Parce que ça, en fait, tout dépend de la grandeur des. Normalement, Bise, elle est complète. Mais bon, vu qu'il a plu un petit peu cette nuit. Oui, parce qu'il y a la pluie, il remue chez nous aussi un petit peu. Bah, en fait, et bah, sincèrement, tout ça le fait temps. Donc, deux jours qu'on a de la pluie. Ah. Et sincèrement, ici, ça doit faire depuis le mois d'avril qu'il a pas plu. Ouais, je crois que c'est ça, on avait calculé à peu près. Un mais truc bon, comme ça. Et nous, la dernière fois qu'on a vu de la pluie, c'est quand on est revenu de Disney. Ouais.
Bon, après, donc, ça fait du bien, ça rafraîchit, mais il faut pas que ça dure longtemps non plus, hein, les gars, je vous le dis, moi. Les gars. Non, mais les températures reviennent à partir de mardi. Ils renoncent du 28-30, ouais, donc moi, voilà, ça me va. Ah non, non, moi, c'est mort, l'été, il est pas fini chez nous, c'est mort. Bref, normalement, la brocante est là. Elle doit pas être si complète que ça, hein. Si on me voit, bref, comment. Si on te voit. On te voit, ouais. Mi-visage, mi-figue, mi-raisin. Voilà. Nous nous retrouvons après deux petites brocantes. Une petite et une grande. Bah, en fait, elle était pas si petite vu qu'elle était cachée. Oui, elle était cachée. Ouais, mais. Mais celle-ci là, donc on a fait Bizou-Minervois, on a fait Saint-Marcel. Saint-Marcel était très grande. Très pas mal d'exposants. Et là, tu regardes le sourire de Corinne en mode. Oh, on a trouvé. Bah, je l'avoue, tu as trouvé. Je l'aurais trouvé parce que, en fait, c'était un passage où on était obligé de repasser. Donc, je pense que je l'aurais vu en deuxième fois. Mais une pépite, mais, comment dire. Mais ouais, mais là, je l'avoue. C'est je une petite fierté. En gros, ça m'a fait ma journée. Voilà. Alors, pour être. On a pris 4 trucs. 4. 1, 2, 3. Ouais, les verres. Ah, ouais, les verres, ouais, on les compte pas. Des verres après, voilà. Allez, 4 trucs. 4 trucs officiels, ouais, de chez Disneyland, bah, Euro Disney et Disneyland Resort Paris. Voilà. Donc ça date de la première doit dater de 15 ans. La plus belle pièce qu'elle a trouvée à 2 euros. Ouais, oh, même plus, moi je dirais. Mais franchement, comment elle l'a trouvé en joie. Ça se voyait, hein, j'ai filmé, vous avez pu voir quand j'ai fait un zoom. On voyait pas mon sourire. Mais ça se voyait dans les yeux, mais voilà quoi. Je suis tellement contente de après, la on a voir. Trouvé des petites babioles qui viennent de là-bas et officiel, voilà. Et c'est plutôt positif. Ça faisait super longtemps qu'on n'a pas trouvé d'aussi belles pièces, quoi. Et ouais, c'est rare. C'est ça déjà, et comme tu me disais, on retrouve encore des pépites, ah, même ouais, chez nous. Je suis contente. À 900 km de Disney, on trouve encore des pépites. Ça vaut le coup de se lever de bonheur. C'est ça. Donc là, on va en enchaîner une troisième. Ouais, et je pense que la dernière pour le matin ou. Après, franchement, il est que 9h30. Hein. Oui, bah oui, après, nous on enchaîne. Hein. Il est que 9h30, malgré qu'elle me dit que je marche trop vite. Mais bon, mais bref. Je suis sûre que tu aurais marché moins vite. Mais on repassait. Oui, on repassait automatiquement. Tu aurais zioté, tu l'aurais vu. Mais je savais même pas qu'ils faisaient des trucs comme ça. Ouais. Alors Nathalie, si tu passes par là, c'est. Bon, je vais pas dire c'est quoi, mais ça ressemble énormément. Elle le verra par la suite, parce que déjà moi je vais poster des photos. Ouais, donc en gros c'est un mug avec. Une shop. Ouais, une shop, ouais, carrément une shop. Le mec il est en volant, mais tu sais, il fait des mouvements comme ça. Bon, il y a personne en plein milieu de la campagne, hein, il y a personne. Et avec, donc vous allez le voir après, avec les personnages, l'évolution des personnages, donc de Steamboat Willie à Mickey Mouse, Steamboat Willie, en fait il s'appelle pas Steamboat Willie, il s'appelle Mickey, mais du court-métrage Steamboat Willie. Ah, on voit à Mickey Mouse, donc il y a
5 personnages, l'évolution comme ça. Ouais. Je crois 5 ouais, ou 6. Je crois que c'est ça. Mais la peinture que. Elle est un tout petit peu ébréchée, parce qu'il me fait ouais, elle est un peu ébréchée, c'est pour ça que je vous la fais à 2 euros. Non, mais même à 4, ouais. De toute façon, je l'aurais pris, garçon. C'est ça. Je veux dire, c'est des choses. Oh, attention, le chien. Oula. Ils sont à qui les chiens là? Ouais. Super. Bah surtout, moi j'allais dire la distanciation sociale qu'ils ont. Ouais, aussi, bon, ça après. Ils sont tous que les uns sur les autres. Ils se débrouillent, ils sont grands. Et ouais, non, franchement, ça c'est quelque chose, même à 5 euros, je l'aurais pas laissé. C'est des choses que tu. Pour moi, que tu ne trouves plus. Pour moi. Ouais, bref, allez, on part sur une troisième et on croise les doigts pour qu'elle soit aussi heureuse. J'ai bien peur que ça, c'est le stade, donc je suis pas sûr que les. Ah, il y avait la Casse-Member de la dernière fois. Ouais, mais elle a dit qu'en octobre. Ah, parce que je pense que la prochaine fois qu'on la voit, la plus petite chose, je la prends là-bas. Ouais. Bah, en fait, à chaque fois qu'on va là-bas, donc là, on va à Coursans, j'ai espoir qu'ils soient encore et qu'elle ressorte une petite tasse, toi. Non, mais même les peluches, l'autre fois, c'est qu'on n'avait pas assez de monnaie, mais. Ouais, c'est vrai. Elle avait des belles peluches de là-bas. Si ça vaut à Disneyland, je préfère l'acheter d'occasion. Bah, l'ancienne Casse-Member, c'est pas une Casse-Member, c'est une ancienne Casse-Member. Bon, bref, hein. Ouais, on est content. On est content. Micro tasse du jour, bonjour. Petite tasse avec des grosses tasses de café. Ouais, tu sais pas faire le café. Je ne sais pas faire le café. Cette tasse est la première de la collection. Elle date de 8 ans à peu près, juste avant qu'on déménage. Alexa Gant, genre, on ne faisait pas de vlog encore à l'époque. Châteauroux, Alexa Gant, on l'avait acheté spécialement parce qu'on y allait assez régulièrement, on y allait tous les ans à l'époque, grâce aux places Disney Nestlé. Oui, puis Patapin. Et Patapin, parce qu'on payait le séjour. Genre, c'était 200 euros pour 4, pour 3 jours, je crois, un truc comme ça. Pour 3, c'était 2 nuits, 3 jours. Ouais. Voilà, donc en gros, c'était vraiment pas cher. Et en plus, on avait aussi les passes Nestlé à l'époque. Croquer la vie à 20 euros la place, si je me rappelle bien, un truc comme ça. Non, c'était 15 balles la place. 15 balles la place, voilà. Hein, y a Corinne qui. Et donc, on avait acheté cette tasse pour mon père, parce qu'il venait tous les jours boire le café à la maison. Et donc, on l'avait acheté spécialement. C'est la première de la collection. Voilà pour la petite histoire info tasse. Ça se boit cul sec. Hop, allez! Retour de brocante! Tu fais quoi? Tu fais voir quoi? On fait quoi? On fait dans l'ordre ou du... Non, on va faire ça, le plus long, ça va être ça, je pense. Le plus long, c'est ça. Allez, le plus long, c'est des verres à moutarde. Fais attention de pas les casser. Alors, en général, on en fait pas. Ça fait deux brocantes qu'on les fait. Et là... On les a tous trouvés. On les a quasiment tous trouvés. On a trouvé un lot. Alors, on est venu. Alors, je vous les montre. Hop, je vais parler en même temps. Donc... Attends, vas-y, reprends. Je vais juste focus sur le verre parce que j'ai pas d'autofocus. C'est moi qui fais l'autofocus. Donc le Mickey True Original Mickey, hop, voilà. On a trouvé sur un stand, on a trouvé une personne qui faisait donc les 3 pour 1 euro chacun. Donc 3 euros. J'ai négocié à 2,50. Voilà. Ça doit être les 3 premiers que je vous ai montrés là. Et ensuite, on a retrouvé sur une autre brocante. Donc là, c'est Avenger, le petit Dembo qui est magnifique. Et on a retrouvé sur une brocante, donc une autre personne qui faisait un lot entier, les 8 pour 2 euros, fatalement. Donc même si je crois que celui-ci, on l'a en double. Celui-ci là? Non, là, c'est pas le même. Mais non, c'est toi qui m'as dit c'est. Ah oui, je crois qu'il y en a un, c'est Mickey et l'autre c'est Minnie. Voilà, ouais, c'est pas le même. C'est ça, donc en gros. C'est Mickey et le petit Star Wars. Et donc finalement, on a trouvé tout le lot pour 2 euros. Et on a Mulan qui est dans le frigo. Et on a Mulan dans le frigo. Et je crois que la semaine dernière, on en a acheté un, et je ne sais plus c'est lequel. Moi, je sais plus.
Et donc en gros, ça, on se, commence à se faire une petite collection de verres à Mora. C'est à cause de Marie. C'est à cause de Marie. Marie, donc chez qui on a été en vacances, voilà, bref, tu te reconnais, pour ceux et celles qui nous suivent, vous savez, la peut-être, la famille G. En fait, ils nous ont ces vacances-là, ils nous ont influencés, mais de malade, alors que techniquement, c'est nous les influenceurs, youtubeurs, tout ça. Mais tout ce qu'ils ont fait, on l'a fait. La fille, il y a eu autre chose qui nous a influencé. C'est quoi? C'est quoi? Je sais plus. Ben là, les verres moutarde, bref, on se fait influencer aussi. Voilà. Ah, les bonbons Haribo. Les bonbons Haribo, voilà, par exemple. Bon, on n'a pas de personnalité, ça. Voilà, et donc en gros, ouais, ils nous ont influencé sur pas mal de choses. Bref, bref, bref. On a trouvé deux petits livres comme ça. Mickey Club du livre. Alors, notre collection est gigantesque. Et immense. On a plus, je crois, de 130, je crois. C'est quoi, Mickey? Non, c'est Donald Photographe et la maison hantée avec Mickey, ouais, et tout ça. Bon, non, non, ceux-là, c'est sûr et certain, le sapin. Mais là, faut que tu refasses la liste. Faut que je refasse la liste. Il y en avait plusieurs. Il y avait Donald le détective, plutôt le détective, tout ça. Et ils sont. Ah, mais ils sont vintage, mais ils sont. Ils sont vintage, ils sont pas très abîmés, hein, franchement. Pour du vintage, ça va. Et on a des livres qui sont beaucoup plus pires. Voilà. Ouais, c'est très français. Bref, donc deux petits livres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de livres. Hop, assistante. Tiens, celui-là. Celui-là. Petit première brocante, premier stand. C'est vraiment premier stand, première brocante. Corinne a s'est jetée sur ce. Ah, vous c'est Camille, je me suis jetée. Voilà. Sur cette petite boule à neige en Mickey, donc il y a bien marqué Walt Disney Company en dessous, donc c'est bien une officielle, on va dire, c'est pas une Disneyland, c'est une officielle, voilà, c'est pas un truc. Le seul gros désavantage, c'est que déjà bah, elle perd de l'eau, et surtout quand tu vas, je vais faire ça et vous allez regarder à l'intérieur, en fait. Elle est un peu abîmée. Bah, c'est en fait, c'est l'intérieur, c'est le crâne qui et la peinture qui s'enlève. Donc je me tâte soit la re-remplir, soit carrément l'inverse, enlever toute l'eau pour justement éviter qu'elle s'abîme encore plus. Je sais qu'il y a une technique avec, parce que là voilà, il y a un petit truc, il y a une technique normalement. Mais il faut de la glycine, tout ça, je sais pas quoi. J'en ai encore de la glycine. Je sais pas, de glycérine peut-être. Oui. Mais elle est vintage, elle est belle. Voilà, bref, elle ira bien dans la collection. Elle sera bien à la maison, elle sera pas dans un carton. Voilà. Petite trouvaille. Poussiéreux, que je la nettoie. Ouais. Petite trouvaille, un porte-photo. Voilà, Mickey et Minnie en train de se faire. De se faire embrasser. De se faire. T'avais remarqué qu'il manquait, il manquait un truc. Ah, la queue. Ouais, bah, non, c'est une jambe. Ah, c'est pas grave. Une jambe de Mickey. Voilà, on ne l'avait pas remarqué. On vient juste de le remarquer en vidéo. Ouais, voilà, petite, donc avec marqué Crazy About You. C'est une officielle Disneyland Resort Paris. Voilà. Donc, c'est pour ça que Corinne l'a pris, parce que c'était une officielle. Elle ira avec le reste de la collection. Alors, le mec, collection. Collection. Ah oui. Dernier truc, ça c'est le dernier truc qu'on a trouvé. Ouais. C'est le dernier, c'est pas le plus beau, hein, c'est le dernier. Oui, je vous garde le truc pour la fin. Voilà, boule à neige, Disneyland Paris aussi. C'est une récente, je crois. Hein. Il y a marqué quoi? Non, il y a marqué Resort. Donc c'est pas une récente non plus. Ouais, elle ressemble un peu aux autres qu'il y a là-bas. Voilà, donc elle est en 3D. Je vais focus dessus. Elle est en 3D. Bon, il manque le nez de Pluto, mais voilà. Donc petite resort Paris, donc avec les Mickey et tout ça, avec Mickey et Minnie en train de se faire un petit souper. Au niveau de la Tour Eiffel. Au niveau de la Tour Eiffel, voilà. Super, super sympatoche. On regarde les, il y avait plein de boules à neige et en fait je l'ai vu direct. Corinne l'avait pas vu en fait, non, à vrai dire. Ah bah je voilà. Peux pas tout voir. Bon l'assistante, allez, merci. Tiens. Un truc qu'on a vu, franchement, c'est inutile, mais c'est marqué Disneyland Paris. C'est deux trucs à pop-corn. Voilà, franchement, ça va être utile quand on va manger les pop-corn. Il manque les lanières, les petites lanières, parce que non, je crois que c'est des petits sacs à dos. Ça date d'un petit moment parce qu'elle est marquée aussi.
Resort Paris, donc Disneyland Resort Paris. Alors pour information, hein, ça a été, genre le mec il sort un peu sa science, ça a été Euro Disney, après Disneyland Resort Paris, et après maintenant c'est Disneyland Paris. Donc il a, et je crois qu'il même il y a eu un nom entre les derniers, celui-ci et celui-là d'avant. Donc il a changé de nom. Donc en fait tu sais la vieillesse, on va dire l'âge d'un objet grâce à peu près à cette distinction. Donc quand c'est Euro Disney, donc la dernière que je vais vous montrer c'est Euro Disney. Donc tu sais que c'est dans les années 92-80. Bah, dans les premières années de Disneyland, ça c'est dans les 10 premières années. Et après, donc c'est Disneyland Paris, donc c'est voilà, c'est celles qui sont le plus récentes. Donc voilà, petite. Je parle beaucoup trop. petite boîte. Je kiffe trop le petit logo dessus comme ça. La popcorn. Voilà, et la deuxième en bleu, donc rouge et bleu, voilà. Pour 1 euro pièce. Pour 1 euro pièce. On n'allait pas les 1 euro ou 1 euro les deux ? 1 euro les deux. Et pour finir, on part sur le fameux Graal. Graal, ça c'est les brocanteurs quand ils trouvent, ou les collectionneurs quand ils trouvent un truc qu'ils kiffent. C'était pas à l'origine un Graal en soi, dans le sens qu'on le cherchait pas, mais c'est tellement magnifique. Je vous montre le dessous. Donc comme je vous disais, Euro Disney, voilà. Et donc elle est ébréchée juste ici. C'est juste le petit. Ce petit truc qui a fait baisser le prix à la personne, hein, voilà. 2 euros. 2 euros le mec. Donc voilà. Il y a l'évolution du Mickey. Elle est mais magnifique. Avec le petit Fantasia, le chef d'orchestre. Et le Mickey avec le petit chapeau Mickey. Et là, il y a marqué Mickey through the years. Voilà. Franchement, elle est imposante, elle doit faire au moins 20 cm au moins. Voilà. Et elle est magnifique, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve mais tellement belle. Toi, t'as même envie de ne pas la mettre de la mettre directement ici en fait. Ah mais de toute façon, on va la mettre ici. Hein. Ah, bah, on va pas boire du café dedans. C'est trop grand. Bah, bon, Non. Bah, boire du coca dedans. Oui, du coca. Non, je pensais la mettre ici en dessous. Ah d'accord, ouais. Bah, moi je pensais la partir qu'elle allait se mettre avec la collection. Ah bah. Il n'y a pas de place. Ouais, elle est trop grande, ouais, elle est trop haute. Ah non, non, ici elle est parfaite ici, là, avec là ou là-haut. Avec le cadre et tout là, avec tout ouais, ça. Ouais, ouais. Bah, on va voir. On va voir. Ouais, peut sûrement. Si, il faudrait penser à mettre quelque chose dedans alors. Pour que. Bah mais quoi ? Je sais pas. Mais pourquoi tu vas mettre quelque chose dedans ? Bon, je sais pas. Bref. Alors, on verra. Bref, en tout cas, magnifique trouvaille de Corinne. Je ne sais pas de quelle année elle date, mais à mon avis, elle date de, ouais, voilà, de au moins 15 ans. Au moins. Et elle est magnifique. Elle est encore en bon état, je trouve, pour 15 ans. Ouais. Voilà. Bref, allez. Est-ce que je vous quitte là parce que ça fait une très longue vidéo? Ouais. Bah, comme tu veux. Comme tu veux. Bon bref, au pire je vais vous quitter là, ça fera vraiment le côté brocante, et on va se retrouver demain je vais peut-être filmer, reprendre le rythme, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée des classes, non pas demain en soi, mais dans la semaine, voilà, donc on va peut-être reprendre le rythme, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez. Parce que ouais, j'ai envie de papoter là, tous les jours j'ai envie de papoter, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais 30 minutes de vidéo. Donc, voilà. Allez, je vais arrêter là, j'espère que cette petite vidéo vide grenier brocanche retour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des objets qu'on a trouvés, hein. Franchement, on est super heureux. Voilà, on vous a partagé ça avec vous. Allez, pouce bleu, tout ça, commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va se retrouver demain, si tout va bien.